Bonjour tout le monde, c'est Colino et bienvenue dans ce nouveau Let's Play Découverte. Alors aujourd'hui je m'attaque à Deus Ex premier du nom, mais dans sa version Game of Years. Voilà, j'arrivais plus à trouver le nom. On va commencer avec l'intro, hein. Allez hop, c'est parti. Your appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. I take it he was agreeable? He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the Ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over into the schools and churches. Let the bodies pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the rest. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. A bunch of pretentious old men playing at running the world. But the world left them behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He's relocated to Vandenberg. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience. And their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. If necessary, the primary will be terminated. We've had to endure much, you and I, but soon there will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be a reality, and we will be crowned its kings. Or better than kings, gods. D'accord. Donc, ouais, ça a l'air pas mal. Donc, le jeu est en anglais, mais j'ai téléchargé un patch en français que vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. C'est le même site que celui dont j'avais parlé la dernière fois dans Invisible Wars. Donc, facile à installer et tout, je vous le conseille. Allez, fini les blabla, c'est parti pour le jeu. Facile. Ah, on peut modifier son nom. Alors, nom usuel, Colino. Nom de code, JC. Dommage qu'on peut pas modifier le nom de code. Ok, ils ont juste fait pivoter la tête du gars et changer le texture pack pour les trucs. Armes de points. Ah, je peux rajouter des points. Ah, intéressant. Armes de points, crochetage. Améliorer. Hop. Électronique. En étudiant l'électronique en pratique, les agents peuvent apprendre à pirater plus bien. J'améliore. Et informatique. Le vie, c'est un peu plus. Voilà. Médecine. Alors voyons, j'en peux. Ah d'accord, c'est les. Je croyais que c'était les points qu'on avait, maintenant c'est les points nécessaires, les points qu'on paye. Bon bah c'est parti. Your appointment to FEMA oui, should bon, be ça on l'a déjà vu. Hop.
New York, QG. Ça va, la sensibilité de la souris est bonne. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Ok. Le matériel. Ah. Est-ce que je peux. Clic droit. Welcome aboard, Agent. Paul, I thought you were in Hong Kong. Welcome to the Coalition, JC. I might as well start using your code name. Think I'd miss my brother's first day? Didn't think you'd have a choice. What's going on? The NSF. They hit one of our shipments. A few of them got away, but we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault. The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a test, but UNATCO better issue some hardware. Remember that we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, though, Manderly wants you to pick an additional weapon. A sniper rifle, a GEP gun, or a mini crossbow. I like to pick him off from a distance. I'll take the rifle. This isn't a training exercise, JC. Your targets will be human beings. Keep that in mind. I get the idea. What's the first move? I'm going to give you a map of the island. If you can get to the north dock, a UNATCO informant will give you a key to the statue doors. He responds to the code phrase, iron and copper. You could avoid a lot of fighting, though, if you found a back way to the statue. I'll see how it looks on shore. Your primary objective is the makeshift command center the terrorists have installed at the top of the statue. But don't forget about Agent Harriman. We think he's being held on the ground floor. What are my orders when I reach the command center? Interrogate the leader. We don't yet know why the terrorists would risk an open assault. Ok. Est-ce que je peux utiliser... Hop. Ouais, je peux... Alors, hop. Ouais, j'ai gagné des jumelles. Et j'ai gagné un passe-partout. What's your take on the situation, Corporal? The bots have them bottled up, sir. We'd go right in if it weren't for the whole back order. How'd they get one of our agents? Gunter went rogue on us. When the order came, he wouldn't pull back. Now you get to bail him out. D'accord. Les textes automatiques quand on approche d'une personne. Si je peux récupérer, vous allez trouver une gnôle et un soda. C'est quoi ça? Charge matraque. Ah, c'est un truc létal. Ça, je vois pas ce que c'est. Voyons, est-ce que j'ai un inventaire? Configuration, commande, courir, activer. Ok. Ah, clavier souris. Hop, très lourd, sauter, baisser souris, tendre, marcher, courir, sélectionner l'objet suivant, recharger l'âme. Une modification, désactiver toutes les modifications, changer de munitions. Inventaire, F1. Hop, voilà, donc on va avoir... Hop, cette canette a pour seul signe distinctif les mots mettre produit ici. Difficile de savoir s'il s'agit d'un nom ou d'une invitation. Stock 1. Ouais, mais j'aurais bien aimé savoir c'est à quoi ça sert. Aucune clé, une nanoclé disponible. Donc ça doit être peut-être pour me booster. Je sais pas encore, ça c'est pour me soigner. Ok. Ah non, je croyais qu'il y avait un objectif à rambarde, mais non. Ça me fait vraiment penser à un Doom-like. NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot off-site. A UNATCO informant on the North Dock can get you inside the statue. Look for a bomb. Identify yourself with the phrase, iron and copper. Ok. Hop, ça
chargeur. Oh. Pour ma coupure, c'est... Ah, c'est X, mais je dois le maintenir. Ah, ça va pas être très pratique. Va falloir que je change ça rapidement. Hop, ça c'est bon. Ok. If you want to make a covert approach, remember the Academy's stealth course. Stand in their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Ah d'accord, je me suis déjà... Remember that a headshot is a lethal takedown. Comment il se déplace? Ok. Ok, bon, ça commence bien. Headshot. Big guy, he can't hide for long. Je sais pas ce qu'il a dit, j'ai pas eu le temps de lire. Vais ma pleine. Eh d'accord, c'est juste pour le déplacer. Non, moi ce que je veux c'est... Super blade. Ok. Hop. D'accord, je peux pas sauter haut pour le moment. Hop. Hop. X, hop. C'est quoi ça? Grenade lacrymogène, ok. Alors, fusil de précision, je vois un gars là-bas. C'était quelle touche déjà pour le... Non. Hop, on va voir l'inventaire. Fibot, tata, 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 viens, lunettes, oui, c'est pas marqué. Oh, je peux mettre des modes. Ah non, d'accord, les modes, c'est les augmentations. Ok. Tiens, j'ai été blessé. Hop, au torse et à la jambe droite. Ok. Alors voyons voir, c'est configuration, clavier souris, alors la lunette, utiliser la lunette de visée, ok je vois, c'est cette touche là, oh là qu'est-ce que j'ai fait, d'accord j'ai rechargé, d'accord c'est censé être celle-là mais ça marche pas. Tac. Wow. Something moved. Could be the law. Headshot. Bon, moi j'aimerais bien savoir c'est comment utiliser la lunette de visée. D'accord. Déjà clic droit, c'est bien. Je vais voir si je peux pas configurer configuration. Clavier souris. Utiliser lunette de visée. Bouton souris milieu. Voilà. Voilà, c'est mieux. Il y a un robot là-bas. Je l'ai pas fouillé. Fil à crimo. Hop.
c'est le moment d'utiliser le sniper. Oh purée. Je l'ai eu? Je l'ai pas eu. Il est passé où? Ce hurlement. Je me demande s'il y a une fonction stabilisée. Ah, tous les coups. Voyons voir. Là, et si je me m'accroupis. Non, j'ai pas l'impression que ça. Ouais, j'ai pas vraiment l'impression que ça. Ça bouge moins. Généralement, dans ce genre de jeu, quand on s'accroupit. Be careful. The NSF has set up patchwork security systems here. Ouais, je vois. Oh purée, il fait des dégâts le. Je peux courir? Non, ça c'est. Ah oui, non, c'est courir automatiquement. Prends le point là. Merde, j'ai plus de balles. Il est possible, il est là. J'ai pas autre chose. Ça m'étonnerait que la matraque soit très efficace contre lui. Et en plus, la matraque, elle est limitée. Wow. D'accord, évitez. L'agneau. Oh la vache, qu'est-ce que je déguste. Et là. Game over. D'accord. Comment on arrête le mode dégueulis là, parce que là, ouf. D'accord. Hop. Ah bah du fait que j'ai pas sauvegardé, ça m'a arrêté là. Bon bah chers amis, ça aurait été un peu court, mais fin de ce let's play découverte. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces et tout ça. Tiens, je viens de voir, il y a un mode multijoueur. Est-ce que c'est un mode multijoueur en ligne? Oh ouais, donc c'est en ligne, malheureusement. J'aurais bien aimé que ce soit en local. Parce que partir en LAN, je sais pas comment brancher les ordinateurs ensemble et tout ça. Je peux pas faire. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à mettre des pouces. Et à la prochaine pour ma dernière vidéo sur Deus Ex. À plus!